Hello, hello! On est vendredi le 9 juin. J'ai une piqûre de maringouin là, ok? Fait que si je passe mon temps à me gratter la cuisse, c'est à cause de ça. C'est vraiment désagréable. Les maringouins sont tellement voraces, ok? Parce qu'il y a tellement plu au Québec que c'est comme si c'était une swamp partout. Fait que les maringouins sont genre au paradis, ok? C'est comme le climat tropical parfait pour leur survie. Fait que. C'est ça, j'ai plein de piqûres de maringouin partout. Là, je m'apprête à m'aplatir les cheveux. Puis après ça, je m'en vais à la cage au sport avec mon amie Catherine. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu. Puis on voulait aller sur une terrasse, mais là, il commence à faire comme pas super beau. Fait que, bref, je voulais comme aller sur la terrasse puis boire de la sangria, mais peut-être qu'on va être en dedans. Mais donc c'est ça. Sinon aujourd'hui, on va essayer d'aller visiter le condo pour vrai. Fait que je vais être capable de vous montrer comme plus à l'intérieur. Puis la seule pièce que j'ai pas vue, c'est la salle de bain, ok? Et Dieu sait que la salle de bain, c'est genre l'endroit où je passe beaucoup de temps parce que je me maquille dans la salle de bain. Et là, je l'ai pas vue encore. Puis je suis très excitée parce que ici, j'avais juste comme un. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Une étiquette! Enlevée. J'avais une étiquette. Bref. Fait que j'ai vraiment très très hâte de voir ça. C'est ça, en espérant qu'il y ait des visites aujourd'hui. Sinon, ça serait vraiment plate. Comme j'ai vraiment hâte, là, mais je sais qu'il y a des visites aussi la fin de semaine, puis en tout cas. Mais j'ai espoir qu'on va être capable de visiter aujourd'hui. Donc voilà! Puis c'est ça, là, je vais me préparer parce que j'étais un petit peu pas d'avance, puis faut que je sorte Killer, faut qu'il fasse son petit caca, son petit pipi. Toujours avant que je quitte, donc voilà, je vais m'aplatir les cheveux. Puis je vais les changer bientôt, je vais les mettre mauve. Parce que je vous avais demandé sur Twitter quelle couleur vous aimeriez me voir, ben avoir mes cheveux. Puis je vous avais donné des choix rose, bleu, mauve ou toutes ces réponses. Puis vous avez choisi mauve, donc vous gagnez que ben je vais avoir les cheveux mauves. Ok, bye! Je suis avec Catherine, on a notre pichette de sangria. Elle est bonne, hein? Je l'aime pas. J'ai trouvé quelque chose sur internet pour ça. Pourquoi? Pourquoi elle me parle, là? J'ai trouvé quelque chose sur internet pour 5. Je t'ai pas parlé, Siri. Bref. Non, mais c'est weird, genre partie. Elle a compris, Siri. Elle s'incruste, genre dans. Elle s'incruste dans notre conversation, tu sais. Fait que c'est ça que je disais, on a de la petite sangria, on est à la cage au sport, fait qu'il y a toujours du popcorn, pis ça c'est bien cool. Puis là, ils vendent tellement que le popcorn il s'enfuit. J'ai mes lunettes de mouche, que j'aime beaucoup. C'est une sangria maison, puis super bonne. J'aime vraiment ça. Depuis ça, je prends juste la sangria rouge, mais. Ouais, on voit 4 dans mes lunettes. Attends. Voyons. De même. Ah! Ils sont tellement hot ces lunettes là, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ils m'ont coûté 5$, 5$! Ok, ça va être délicieux. Kat avait pris un pokéball avec du tartare de saumon. Puis moi j'ai pris un tartare de saumon avec des frites, puis ça c'est des petits croutons avec de la petite salade. Ouais, bon appétit. Je comprends pas comment tout ça va rentrer dans mon corps, mais c'est pas grave. Non, c'est ça? Ouais, toi c'est huge, oh my god! L'estomac c'est gros comme le poing, hein? T'as genre 6 repas là-dedans. Je suis de retour chez moi. On a été magasiner un peu des électros et tout ça tantôt. Juste pour voir avec Kat. Puis ouais, c'est cher des électros. Sauf que je vais peut-être les payer par mois. Bref, c'est une possibilité. J'ai jamais fait ça. D'habitude, là, moi, quand je veux quelque chose, il faut que j'aie l'argent absolument. Sinon, je ne suis pas une fille qui vit avec le crédit. Mais là, je me dis peut-être que ça pourrait m'aider de comme pas payer d'un coup puis payer par mois. Là. Souvent, on peut faire ça. Mais je sais pas, on dirait que j'ai peur comme qu'il y ait une crosse, genre, puis que je me fasse arnaquer puis qu'il y ait des intérêts sans que je le sache. Puis ça me stresse un peu ces affaires-là. Mais fait que c'est ça, j'ai trouvé plein de trucs des électros, mais un peu plus cher que ce que je voulais payer. Fait que je sais pas si je serais mieux d'acheter sur Kijiji comme usagé. On a regardé aussi les divans, mais là je suis difficile. En tout cas, je vais vous amener avec moi. Là on s'est juste comme promené vite vite là, mais quand je vais magasiner mes fournitures, je vais vous amener avec moi. Puis
on va voir ça ensemble. Là, je suis en train de faire de la paperasse et des trucs pour des collaborations qui vont sortir bientôt sur ma chaîne et sur les Instagram. Tantôt, là, il est 4h50, Cyril finit de travailler dans 10 minutes et après ça, on s'en va voir le condo. Oui, oui, oui. J'ai hâte de voir ça. Vous allez voir des plus belles images qu'à travers une fenêtre. Fait que j'ai hâte de voir. Puis c'est pas mal ça, j'ai fait des chandails tantôt aussi. Je vais vous montrer ça. J'ai essayé des couleurs que, comme d'habitude, je sais pas. Fait, parce que moi, j'aime beaucoup pour les chandails tie-dye quand c'est comme un peu des couleurs barbapapa. Mais là, j'ai essayé d'autres trucs parce que il n'y a pas juste mes goûts dans la vie, il y a vos goûts aussi qui sont importants. Fait que j'ai essayé de sortir de ma zone de confort et de faire plein d'autres couleurs. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner encore. J'attends de voir, là, faut que je laisse sécher le tout. Puis c'est ça, je vais aller racheter la teinture aussi pour en faire de couleur barbapapa parce que moi c'est mes préférés de ces couleurs-là. Mais je vais vous montrer ça un petit peu plus tard peut-être ou demain sinon. Et voilà, donc si vous êtes pas au courant, là, je vends mes chandails tie-dye que je fais. Ils sont en vente sur Depop et je mettrai le lien en barre d'infos si j'oublie. Rappelez-le moi s'il vous plaît dans les commentaires parce que je suis genre à toujours oublier. Et c'est ça! Bonjour, bonsoir. Alors nous sommes en voiture. Et qu'allons-nous faire? Ça va, ben on va essayer d'aller le condo, on espère qu'il va avoir une visite ce soir. Ouais, c'est censé, parce que selon leurs horaires, c'était ben, ce soir il y avait une visite de 5 à 8, ça. Ouais. Il y a intérêt à avoir quelqu'un pour nous faire visiter, parce qu'on a hâte de voir ça. Oh shit, ça va être cool! Donc ça c'est le bureau avec le garde-robe. Plus de batterie, mais ça nous tentait de juste vous dire qu'on est full content, puis on a full hâte de... Moi, en tout cas, j'ai full hâte de partager ça avec vous. Là, on va filmer le déménagement. Je vais filmer la nouvelle déco. Là, ce que vous avez vu, c'est comme des meubles pour le condo modèle. Là. C'est comme pas chez... C'est pour les visites, c'est pour que les gens puissent un peu situer comment c'est agencé. Ouais, c'est ça. T'sais, ça sera pas notre condo, mais c'est un condo pareil comme à celui-là, c'est ça. Ouais. Fait que... Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis super heureux. Ben, j'ai vraiment hâte de bouger. Et là, sérieusement, j'étais très très surpris. Parce qu'on avait vu, ok, les plans. Je savais dans ma tête les mesures de quoi ça a à peu près l'air. Mais c'est plus grand que j'imaginais. J'adore la chambre. La chambre est spacieuse, je trouve. C'est pas petit du tout. Le bureau est parfait, on va pouvoir mettre nos affaires et pouvoir faire quelque chose. Je viens de demander s'il y avait des lockers par exemple. Ah, décidément les batteries. Ouais, bon, on est sur mon téléphone là. Oui, c'est pour ça que ça tremble. Parce qu'on a envie de vous dire, oui ça tremble parce que j'ai Parkinson, je suis trop excité, c'est trop cool. Bref, vous allez aimer ça au montage. La chambre est spacieuse comme il faut, la cuisine salon, tout ça, c'est vraiment cool, c'est lumineux. J'ai hâte qu'on puisse entreposer nos affaires là. Puis le bureau, comme je disais, oui c'est ça, c'est vraiment cool. Il y a ce qu'il faut pour entreposer toutes les affaires à Emma, pour installer mes trucs aussi. En plus, c'est super bien agencé, dans le sens où les salles communiquent entre elles, salle de bain, entrée, chambre, la salle de bain. La cuisine! Moi, j'ai envie de faire comme des vidéos de cuisine, là, pour vrai. Ça, c'est une bonne idée. C'est important d'avoir une grande cuisine, là. C'est ça que je me suis rendu compte quand... En vivant dans un endroit où il n'y a vraiment pas une grande cuisine, là, comme là en ce moment, j'ai une cuisine laboratoire là, qu'on appelle, là, c'est genre juste un couloir, puis là ça va faire du bien, je vais avoir le goût d'inviter du monde à souper, des amis, puis... Faire la cuisine à deux sans se marcher dessus, se gueuler dessus. Ouais, ça va être vraiment cool, puis je suis bien contente et... Moi j'aime ça qu'il y ait une belle douche. Ouais, et la douche, bain, la douche parapluie, puis ouais, un gros bain, fait que ça va être vraiment nice. Ouais, je suis bien contente! On va se plaire là-bas, on va se plaire là-bas, on va se plaire là-bas.
Bref, c'est tout. On fait la conclusion tout de suite parce que c'est ça qu'on voulait vous montrer. Parce que c'est le dénouement, voilà, de ce vlog. Ouais. Et ce n'est que le début parce que, attention, déménagement et tout ça, ça va être... je pense que ça va être le fun pour vous aussi de suivre ça, puis la déco, puis tout ça. Moi, j'ai full hâte de redécorer, là, à mon goût. Donc, c'est tout! C'est tout. Mouah! OK, bye! Bye!